Et donc forcément, comme chaque année cinématographique, il y a du bon comme du mauvais. Et cette année, il faut bien le reconnaître, on n'a pas été gâté de ce côté-là. Il y a eu pas mal de mauvais films cette année, mais certains étaient des évidences, des films tellement horriblement, maladroitement et magnifiquement mauvais qu'il fallait en faire un flop pour essayer de voir quels étaient les pires. Évidemment, ce flop est également ultra subjectif, donc vous ne vous retrouverez certainement pas dedans, mais mettez les vôtres dans les commentaires, on comparera ensemble. Bon, et bah que la guerre commence. Allons-y, numéro 10. Parce que franchement, on va se le dire, hein, faire une suite à Terminator 3, c'était quand même pas si compliqué. Et les mecs ont quand même réussi à se planter. Que ne fut pas la surprise de beaucoup de femmes face à cette chose que l'on nomme aujourd'hui le vrai Terminator 3. Et malheureusement, l'œuvre est loupée par beaucoup d'aspects et reste l'une des grosses catastrophes audiovisuelles de l'année. Le film est beaucoup trop lisse pour être prenant et on a vraiment du mal à savoir si ce sont les problèmes narratifs qui gênent ou carrément le charisme de certains personnages qui sont revus à la baisse. Non, non, très sérieusement, mieux vaut oublier cette erreur de parcours pour la saga qui vient peut-être de s'enterrer à tout jamais. Numéro 9. Parce qu'avant, il y a eu La Secrétaire, et qu'au moins il avait le mérite de t'exciter un petit peu, contrairement à ce téléfilm NT1 totalement mielleux et censuré. Il y avait pourtant peu de choses à faire, et même ça, ils n'ont pas réussi à le mettre en forme de manière assez classe pour faire en sorte que le film puisse être un peu plus qu'une simple romance à l'eau de rose teintée de masochisme pour pucelles de 14 ans. Franchement, la réalisation est bancale, le scénario est mou, les acteurs semblent avoir du mal à croire à ce qu'ils sont en train de jouer, et l'ensemble sent totalement le réchauffé de 9 semaines et demie version demi-molle, et encore c'est pour être gentil. Et le pire, c'est qu'on a encore deux épisodes à se farcir, si ce n'est plus, vu que l'on pourrait même avoir un spin-off sur le personnage de Grey. Mais on a juste envie de leur dire non merci, plutôt que encore. Numéro 8. Parce que le cinéma d'auteur italien, ça peut être soporifique à un degré qui frôle l'excellence, comme c'est le cas avec ce long métrage beaucoup trop mou et beaucoup trop lent. Les frères Taviani offrent ici un film étrange, un film qui mélange le temps, qui mélange l'esprit du spectateur et surtout, qui se perd totalement dans une forme de cinéma qui ne nous prend jamais comme on aimerait le sentir. Franchement, on passe son temps à se demander pourquoi on est là, pourquoi on suit ces récits et surtout, qu'est-ce que l'on va en tirer comme leçon au bout du compte, tant la finalité ne semble avoir aucune cohérence. Bref, on s'ennuie vraiment devant un film lent et incompréhensible même par instant, qui n'a aucun personnage pour nous aider à avancer, et qui passe simplement son temps à regarder des protagonistes sans comprendre le pourquoi du comment, comme le spectateur. Numéro 7. Parce que même si les idées étaient là, le fond et la forme n'étaient pas au rendez-vous de ce petit moment de cinéma qui aurait pu devenir une étape. Il faut le reconnaître, le film de Josh Trank avait de la gueule et représentait ce qui pouvait devenir un tournant dans le monde du super-héros. Mais finalement, le film s'est avéré être un immense pétard mouillé de 1h30. Attention, ici on ne parle pas de ce qui s'est passé sur le tournage, mais vraiment du résultat. Et en soi, il est assez mauvais pour être pointé du doigt, comme un des moments cinématographiques les plus étranges et dérangeants de cette année. On retiendra malheureusement de ce film un échec autant narratif que visuel, et surtout une cuite sévère au box-office mondial dont le studio et les responsables de ce projet auront certainement du mal à se remettre. Numéro 6. Parce que franchement, Johnny Depp qui essaye de faire l'accent anglais, c'était le truc dont on n'avait pas du tout besoin cette année. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de David Koepp quand il a fait ce film? On ne saura certainement jamais, en tout cas, on a clairement eu du mal à en croire nos yeux en voyant la moustache de Depp et surtout l'humour de ce film. Un aventurier obsédé sexuel qui passe son temps à faire des blagues de cul pendant tout le film et qui enchaîne les boulettes, bah ça marche chez Mr Bean, mais ici on sature assez rapidement, surtout quand on voit le potentiel qu'avait le film. C'est un ratage qui fait mal au cœur ici, car non seulement on a pitié du casting qui essaye d'en faire assez pour attraper l'objet, mais en plus, Koepp n'insuffle jamais quoi que ce soit de fin à son œuvre pour nous entraîner dans son récit. Numéro 5.
Parce que franchement, espérons-le, que ce soit la dernière fois qu'on ait une adaptation aussi ignoble d'une œuvre issue du jeu vidéo. Même moi qui fais une émission sur le jeu vidéo et le cinéma avec Julien, j'avais envie de croire que ce Hitman pouvait au moins être cool. Mais même pas, c'est une purge graphique de 1h25 et en plus c'est court, et ça ne respecte pas du tout le jeu vidéo de base. Franchement, on l'avait déjà constaté à l'époque avec Thomas, mais ça fait mal au cœur de voir une œuvre qui prend si peu de considération à se renseigner et à comprendre un minimum le matériel qu'il essaye d'adapter. Le film nous lessive en peu de temps en plus, et se permet des écarts narratifs et dramatiques tellement ridicules que même le final de Lost à côté pourrait sembler digne d'une tragédie shakespearienne, bordel. Numéro 4. Parce que même si c'est récent, rarement on aura vu un film qui semble autant en désaccord avec l'essence même du cinéma. Nicolas Saada vient certainement de nous offrir une œuvre aussi singulière que incohérente dans sa création. Une œuvre qui ne respecte jamais l'essence même de la narration ou de la création d'immersion qui doit faire un film. On suit un personnage qui est beaucoup trop détestable pour réussir à nous immerger au cœur du récit, on ne comprend pas pourquoi il agit ainsi tout au long de l'œuvre, et en plus de cela, la fin est bien trop ouverte pour sembler cohérente et logique avec le propos du film. Pour faire simple, jamais le film n'est un film. Il semble n'être qu'une chronique maladroite de la vie d'une jeune femme qui aurait mérité un roman, mais pas une adaptation au cinéma de cet instant de sa vie, aussi impressionnant puisse-t-il être. Bon, là on passe au gras du gras, parce qu'on va rentrer dans le podium, donc on s'attaque tout de suite au numéro 3. Parce que déjà, tout simplement, ça aurait jamais dû dépasser le stade du premier film. Et surtout, pourquoi faire un remake caché d'une œuvre parfaite pour donner lieu à un film ridicule? Oui, remake, car le fugitif doit s'en retourner dans sa pellicule tant il s'est fait matraquer par le nouveau long-métrage d'Olivier Mégaton, qui parvient très facilement à rentrer dans le top 3 des pires films de 2015 alors qu'il est sorti au tout début de l'année. Franchement, à part Liam Neeson qui y croit un minimum, tout le reste du casting semble être à côté de la plaque, sans compter le scénario mou et la mise en scène qui est un enchaînement de catastrophes techniques totalement injustifiées. Sans compter que le méchant finit par se battre torse nu en slip dans son appartement face à un personnage qui semble épuisé de ce qui se passe devant lui. Non, sérieusement, le premier film était génial, le troisième est une purge dont on aurait pu se passer. Numéro 2. Parce qu'une autre suite qui ne comprend pas son matériau d'origine, ça fait déjà mal au cœur, mais quand on la voit en plus sombrer dans une connerie profonde, bah c'est presque triste au final. C'est peut-être un peu dur, mais franchement, un cinquième film, enfin, septième techniquement, qui est en même temps en 3D, et qui est supposé conclure la série, et qui introduit de nouveaux personnages sans répondre à la moindre question, bah franchement ça fait mal au cœur. Rien n'est fin ici, tout est lourd et surfait, l'ensemble est d'un ridicule constant, sans compter le fait que les acteurs amateurs qui essayent de jouer, bah ça marche définitivement pas, et que la mise en scène est tellement poussive que ça nous confirme que ça aurait dû s'arrêter au premier film. Tout part en sucette et cela prouve encore une fois malheureusement que parfois, un film réussi vaut mieux que toute une série dont on ne retiendra finalement qu'une conclusion bâclée et vraiment mauvaise. Bon allez, vous vous doutez qui est le premier ? Numéro 1. Parce que sérieusement? Oh, c'est bon, j'ai pas encore envie de m'emporter sur ce film, quoi, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Les acteurs sont mauvais, merci Kev Adams, que le scénario est mou, qu'en plus c'est le plus gros succès français de l'année, super, qu'ils vont mettre une suite en chantier, ça c'est pas génial, et que résultat on est la risée du monde entier uniquement parce que c'est notre film le plus vu. Hein, ça vaut pas le coup d'en rajouter, coupe, c'est bon. Donc voilà, c'était la fin de cette série de top. On se retrouvera demain pour un top un petit peu spécial. D'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films, des bons films de préférence, parce que c'est bien d'aller voir des bons films. Et puis, bah, à très vite, tout simplement.